Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de Kachaya. Bienvenue dans ce retour sur le show est à vous 2. Si tu ne me connais pas, je suis Stéphane, je suis le directeur de l'école de Kachaya et également de la structure Aya Catch. Nous organisons, nous pouvons organiser des shows dans toute la France toute l'année et puis également ECA École de Catch qui est une école de catch basée en Rhône-Alpes avec une salle à Lyon et une autre salle dans une petite ville qui s'appelle Rumilly dans le 74 et également nous organisons régulièrement des stages intensifs d'une semaine et c'est donc l'un de ces stages, au mois de juillet avec Clément Petiot alias Tristan Archer, Clément Petiot qui a été sélectionné pour le tournoi VVE Cruiserweight Classic. Et donc c'est en clôture de ce stage que nous avons réalisé ce school show qui s'appelle donc le show est à vous 2. La première session avait été réalisée au mois de février de la même année, en 2016. Et donc voilà, vous avez donc alors sur YouTube et sur Facebook, mais surtout sur YouTube, on a eu, et je vais construire une phrase probable, de bons retours. Excuse-moi, hop, petit problème technique là-bas. Et d'ailleurs, des problèmes techniques durant ce show, nous en avons eu. Et donc, j'étais en train de te dire que des bons retours sur YouTube. Donc, merci encore pour l'intérêt que vous portez à nos activités, on va dire. Ça fait vraiment plaisir. Ça vaut le coup donc de se donner autant de mal pour faire tout ça. Et donc, sans plus attendre, oui, on a eu beaucoup de problèmes techniques, notamment à 5 minutes du coup d'envoi, si tu veux, et ben ça rediffusait plus. C'était diffusé en live sur Facebook. Donc, il y a eu plus de 600 personnes qui ont regardé ce school show. C'est incroyable. Merci encore. Et donc, à 5 minutes de commencer, donc on tease tout ça depuis des semaines sur YouTube et sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Les feuds, les rivalités, tout ça entre les catcheurs, c'était très tendu. Il y a Clément Petiot qui est là. Il y a Amal pour la cité. Il y a le public qui est là. Il y a la technique, les partenaires de la FWE que nous faisons venir de loin. Tout est là. Et là, problème technique, ça ne passe pas. Et donc voilà, gavé de problèmes au dernier moment. Et puis après, on en a eu après sur le pay-per-view qu'on a enregistré juste après. Hard Corps, mais ça, c'est autre chose. Bref, alors sans plus attendre, sur YouTube, Lolo du 28, le show est un peu court. Donc le premier faisait 40 minutes, Lolo. Donc c'est surtout les catcheurs qui devaient en fait, comme je le disais tout à l'heure, enchaîner avec le pay-per-view Hard Corps juste dans la foulée. Hein, ils avaient un break de 20 minutes, de 30 minutes pour remettre la technique, etc. etc. Je le disais, on a eu même un problème pour le pay-per-view. D'ailleurs, ceux qui avaient réservé leur place, ceux qui nous avaient soutenus, ont été d'une gentillesse infinie en comprenant le désagrément technique. Hein, tout ça, c'est encore sous essai en fait, hein, que ça, c'est de façon internationale, hein, tout ça, ça marche pas en fait. Hein, tu vois, c'est vraiment voilà, on est l'humanité, il est encore en train d'essayer tout ça, hein, finalement quoi. Donc voilà, le pay-per-view, donc un peu court. Le premier faisait 40 minutes, celui-là faisait une heure. Quoi qu'il en soit, ça reste un stone show, ça reste un school show. En fait, ça dépend aussi des. C'est un school show, c'est donc un show fait avec les stagiaires, les élèves, donc ça dépend aussi du niveau des stagiaires et de la quantité de personnes disponibles qui sont là et qui sont aptes à faire des matchs, hein, tout simplement. Donc là, une heure, on n'ira probablement pas forcément plus loin en termes de durée, sauf pour les pay-per-view évidemment, mais là, pour c'est un bon format, une heure pour un school show, une petite émission télé, on va dire, et ça va être récurrent, je vais revenir plus tard, il y en aura d'autres, quoi. Donc toujours Lolo, continuez pour sauver l'honneur du catch. Waouh ! Excuse-moi ma poule, je regarde, il est là. Hop, c'est vrai parce que j'ai le gamin qui galvaude dans la boutique là. Sauver l'honneur du catch. Waouh, putain, bah merci, ça fait infiniment plaisir. Comme je le dis, ça vaut le coup de se donner la peine pour avoir des retours comme ça. Si ton texte, j'imagine que c'est sincère. En tout cas, je sais pas si on sauve l'honneur du catch français, mais en tout cas, comme je le disais, ça fait super plaisir, quoi.
Alors, Julie Andriot qui nous a écrit un roman et je te remercie, on te remercie sur YouTube. Merci pour... donc oui, voilà, c'est un roman et merci pour ces très longs commentaires et constructifs. Les coups ont l'air un peu faux, mais c'est assez cool. Ouch. Et après, j'ai calculé plus tard que tu parlais du Royal Rumble, c'est-à-dire le Royal Rumble, c'est le match qu'il y avait d'ouverture. Enfin, en fait, tu peux trouver le show là, hein, ici sur le lien, là sur le i. Hein. Royal Rumble, c'est le match d'ouverture de ce du show est à vous deux, vraiment avec les élèves débutants, si tu veux. Et les coups ont l'air un peu faux. Donc j'ai mis du temps à percuter que... Ah ouais, tu parles du Royal Rumble, parce que tu prends un match comme Faust ou contre Snake. Putain, les manchettes, ils y sont allés à la généreuse. Hein. Tu peux regarder comment ils sont rouges là. À savoir, je leur ai dit qu'ils avaient le pay-per-view, enregistré le pay-per-view derrière Hardcore, quoi. Donc, les coups ont l'air un peu faux. C'est des débutants, hein, si tu veux, hein, c'est des débutants, mais c'est assez cool. Bon, en tout cas, content que ça t'ait plu quand même. Toujours Lolo, l'équipe de la fin du match de Snake et Faust va être badass. Oui, tout à fait, c'est une équipe qui va se former là dans les mois à venir, probablement dès le show du 29 octobre, la fureur du catch qui aura lieu donc ici à Rumilly dans le 74, c'est près de Lyon, dès le show est à vous trois, enfin voilà, ça, c'est une équipe qui va se former, hein, t'as vu le show est à vous deux, ça, on en commence à amener les choses, et donc cette équipe s'appellera le crépuscule des idoles. Voilà, donc c'est copyrighté, c'est reserved, c'est tout ce que tu veux. Garrett Logan versus Arthas. J'ai cru que Garrett était le méchant et Arthas c'est le gentil, c'est bizarre. Bon, alors déjà, Garrett Logan, bon, clairement, c'est pas un marrant. Hein, donc bon, alors forcément, si t'as cru que c'était le heel, c'est plus ou moins le cas. Mais en fait, c'est Arthas qui a voulu être plus heel que le heel. Donc, en le défiant tout simplement sur son propre terrain. Donc, n'est pas Garrett Logan qui veut, et puis, ça sera pour une autre fois, peut-être pour lui. Je ne peux pas piffrer Logan, hein, c'est toujours ma Lolo. Garrett Logan, il est ce qu'il est, en tout cas, quoi qu'il en soit, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas du tout, soit tu le kiffes, soit tu le détestes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il laisse pas indifférent, ça c'est sûr, il laisse pas indifférent. Eddie Marston contre Tornado Kid, assez déçu du remplacement pas expliqué de Red Light, peut-être une rivalité Peter Blackwood contre Tornado Kid à venir. Bah ouais, ouais, peut-être, ouais, ouais, on sait pas, ouais, peut-être. J'espère que mon roman ne vous a pas ennuyé, et j'espère que le troisième opus, qu'il y aura un troisième opus dans le futur. Donc comme je te disais, Lolo, comme je vous disais, il n'y a aucun problème, au contraire, les romans constructifs comme ça, c'est génial, hein. Puis en plus, t'as mis ce que tu kiffais et ce que tu kiffais pas, et c'est génial, quoi. Et puis, alors oui, absolument, le show est à vous 3 est prévu pour février 2017, et probablement même avec un Art Corps numéro 2. Ça c'est à reconfirmer, mais ça c'est sûr que toi, derrière ton écran ou ton smartphone ou ta tablette, je te confirme qu'il y aura un show et à vous 3 au mois de février. Enfin, on se dirige tout doucement vers ce retour retour sur le show est à vous deux. On se dirige tranquillement vers la fin de cette vidéo, parce que j'ai fait une sélection des meilleurs retours, ce qui était le plus constructif, et il y en a d'autres, hein, tu peux aller voir dans les commentaires sous la vidéo, hein, la vidéo qui est là, hein, que tu trouves là, du show est à vous deux, le gala. Je pense que vous êtes la meilleure fédé de France. Ouf. Oula, merci, putain, merci. Écoute, je sais pas si on est la meilleure fédé de France. Je t'avouerai que je m'en quiche un peu. Moi, ce qui m'importe, en fait, c'est de mettre en place... en fait, j'ai envie de faire des shows tels que j'aimerais les voir si j'étais juste spectateur, tu vois.
Et puis la meilleure fille de France, ça rejoint un peu l'ego, si tu veux. Et en fait, moi, je mets mon ego au service de ce projet-là. Je mets mon ego au service du projet, et pas le projet au service de mon ego. Voilà, si tu comprends où je veux en venir. Voilà, et ben pour faire simple, on va faire efficace. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la liker en pouce bleu, à la liker sur Facebook. N'hésite pas à la partager. Et si ça peut faire kiffer quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, qui est intéressé par le sujet, pareil, n'hésite pas à la partager. Quoi qu'il en soit, je te retrouve dès demain dans mes prochaines aventures. Également une vidéo par jour sur la chaîne de YouTube de l'école de Kachaya. Abonne-toi, hein, tu verras, il y a plein de vidéos, il y en a une tous les jours sur des sujets variés. En tout cas, ça te donne soit de la belle image ou des conseils pratiques, que des trucs pour kiffer en fait. Voilà. Allez, prends soin de toi, je t'embrasse.